fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision, vous êtes de partout, vous nous recevez à ces nets moments. Il est question de parler sur l'aspect situation sécuritaire dans l'est de la RDC, là où le départ de force de l'EAC annoncé et le retrait commence à se faire. Est-ce la grande question, ce retrait est effectif? Est-ce il y aura bel et bien ces départs que nous sommes en train de voir dans la partie est de la RDC? Quels sont les dessous des cartes? Est-ce vraiment réellement la RDC ne va pas être compliquée dans la sous-région ou bien de l'autre côté, dans l'East Community, comme on l'appelle bien notre... Déjà, nous allons vous montrer. L'équipe technique va vous illustrer ça. Donc, on vous montre juste les images de départ de la force régionale de l'EAC. Alors, aujourd'hui, nous allons parler aussi de la situation politique, là où un candidat à la course au niveau du présidentiel de 20 décembre 2023 s'est rallié à Moïse Katumbi. Il s'agit bel et bien de Denis Essanga qui a prononcé son discours pour signaler. Voilà. Alors, c'est autour de ces deux thématiques que nous allons parler, nous allons vous informer du côté sécuritaire et du côté de la politique, de la scène politique, parce que nous sommes dans la fièvre des élections. D'ici déjà le 20 décembre 2023, le peuple congolais va élire. Et c'est lui qui va diriger le pays et même dans tous les niveaux avec ceux de la députation nationale et provinciale. Aujourd'hui, je reçois pour vous Emmanuel Mouzi. Avec lui, nous allons scruter l'actualité, nous allons débriefer l'actualité. Ces deux thématiques que nous avons énoncées ensemble avec lui. Déjà, je me tourne pour saluer l'honorable Emmanuel Mouzi. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs de votre radio, la télévision, Congo Live Télévision. Tout à fait. Et bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Voilà, vous savez déjà que nous sommes dans ces processus électoraux et nous sommes obligés aussi de voir la situation de l'autre côté parce que c'est la situation qui gangrène la partie est de la RDC, là où vous faites partie aussi, vous êtes aussi l'élu des Rutshuru. Déjà, dans l'ensemble, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de scruter l'actualité avec les des thématiques énoncées, quelle analyse vous faites de la politique et même de la situation sécuritaire à l'heure actuelle? Bon, je commence par compatir avec ma population du Nord Kivu, particulièrement celle du territoire de Rutshuru et de Masisi. Masisi où, maintenant nous parlons, des rudes affrontements ont lieu et les populations du groupement de Kamoronzi dans la chefferie de Bahoundé en territoire de Masisi sont maintenant en débandade et depuis, je crois, 5 heures, les éléments du RDF, UPDF, qui se camoufle sous l'appellation du M23, ont lancé des attaques sérieuses sur les positions de FARDC. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, nos populations sont en train de fuir ça et là. Et ça crée un panique le panique sérieux quand on sait que cette entité ouvre sur Sake qui est la voie qui est vraiment très proche de Goma. Et donc je commence par compatir avec ma population qui est en difficulté et en profite pour appeler les autorités à pouvoir enlever les mains en poche. Tout à fait. Les mains en poche pour agir. Bon, le président de la République a prouvé que c'est une guerre contre des pays voisins agresseurs, ce qui est vrai.
Il doit donc mettre tous les moyens qu'il faut, mais les premiers moyens à mettre en jeu, c'est le commandement de l'armée, parce que plusieurs généraux, plusieurs officiers supérieurs, je vais d'ailleurs paraphraser le chef d'état-major général, qui avait dit qu'il y a beaucoup de traîtres, et ces traîtres sont à l'œuvre. Les politiques d'un côté, les militaires traîtres de l'autre côté, pour se rassurer que le président Tshisekedi tombe. Et c'est une guerre, donc une guerre de tous côtés. Et le président de la République doit se rassurer réellement qu'il a des bons officiers à côté de lui qui font ce que lui voudrait que ça soit fait. Je voudrais aussi, comme vous l'avez dit, la situation politique. Sociopolitique, vous savez que nous sommes à la fin du mandat et les élections, nous sommes en pleine campagne en RDC, même si mon territoire de Rutshuru, le territoire de Massissi et de Kwamout ne font pas partie du processus, mais comme des Congolais, nous avons intérêt à suivre et à faire tout ce que nous pouvons faire pour que ça aille mieux. Et pour une fois bien allé, nous sommes convaincus que les causes qui nous écartent du processus seront aussi écartées et que nous serons aussi, nous ferons aussi nos élections après celles prévues ce 20 décembre. Et donc, les élections, c'est le chapitre aujourd'hui le plus important qui intéresse à plusieurs Congolais. Mais je voudrais dire que le président a une tâche double. Parce que la guerre qui a chez nous, c'est quelque chose que c'est un élément utilisé par ceux qui ne veulent plus le voir au pouvoir pour pouvoir montrer qu'il ne mérite plus. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de tirer partout avec leurs partenaires pour dire. Faisons tout pour discréditer les chefs, pour montrer qu'il échoue de plus en plus. Il doit aussi faire attention parce que la guerre, s'il la gagne, ça l'aide et les adversaires savent que si il continue à la perdre, ça les discrédite dans l'opinion congolaise et cette guerre donc est utilisée et par les forces intérieures et les forces extérieures qui sont des gens coalisés pour c'est rassurer que le président est politiquement achevé afin que le 20 décembre, les Congolais ne puissent plus voter pour lui parce que c'est une autre façon pour eux de gagner la guerre. Parce que vous êtes fils maison, vous êtes de l'Est de la RDC, vous connaissez, vous palpez l'actualité, vous palpez la situation du doigt, vous êtes aussi élu de Rutshuru et ensemble avec le, je vais citer une personne, Bitakwira Justin, qui a dit que Félix-Antoine Tshisekedi, il a commencé quelque chose, il a commencé par la diplomatie agissante, il a commencé par renforcer les FARDC, il a montré sa volonté pour finir avec cette guerre, il ne voit personne pour terminer cette guerre. Mais aussi longtemps que nous sommes dans ces processus, si aujourd'hui Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est mis de côté, Moïse Katumbi vient, entre Moïse Katumbi et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va montrer au moins la volonté de finir la guerre dans l'Est de la RDC? C'est une petite Bon, parenthèse avant d'entrer. merci beaucoup, mais bon, je crois que il est clair que les visions de ces deux personnes diffèrent. Et lorsque vous voyez le président Tshisekedi, il n'hésite pas à affronter le Rwanda sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Vous voyez, dès qu'il est là, après la rupture de la fameuse FCC Cache, en fait, ça n'a pas fait beaucoup de temps après la rupture sans qu'il soit attaqué. C'est quelques mois après que la guerre du Rwanda, de l'Ouganda et le Rwanda ont attaqué la RDC. Là aussi, il a mis la main à la poche pour dire, je dois former, les jeunes Congolais doivent être formés pour se défendre. Il a mis la main en poche pour renforcer en matériel les militaires.
Et parce qu'il sait que la RDC, c'est un gros morceau. Et avec un gros morceau, si vous ne développez pas les biceps, en tout cas, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et donc, le professeur Tshisekedi est en train de développer les biceps de la RDC pour que nous puissions avoir un système, un mécanisme de défense qui protège nos richesses que Dieu nous a données et ces richesses qui nous attirent des ennuis, qui attirent les appétits des voisins. Et donc, aujourd'hui, Tshisekedi démontre que cette guerre, qui n'est pas la première, c'est une continuité de la guerre de l'AFDL, d'IRSD, du CNDP, c'est une continuité des guerres nous causées par le voisin. Tshisekedi dit, je dois rompre avec les sales habitudes de négociation et intégration des institutions par les rebelles. Je dois rompre avec ça. Mais ce n'est pas si aisé. Vous savez que en situation normale, le Rwanda ne peut pas oser dire qu'il va se battre contre la RDC. Parce que si on prend ses militaires, on les met en RDC, ils peuvent se perdre dans le nord et le sud Kivu. Ils vont se perdre. Sans se battre, ils vont se perdre. Mais s'ils viennent se battre et réussir dans certains cas, c'est parce qu'ils ont déjà injecté, ils ont d'autres militaires qu'ils rencontrent en RDC, qu'ils ont pu installer depuis toutes les rébellions. Alors, ils viennent avec une avance. Et certains de nos officiers FARDC qui préparent la guerre de notre côté, ils sont des officiers qui ont été installés par celui qui nous attaque. Vous comprenez que c'est une avance. Tout à fait. C'est comme ça qu'ils peuvent dire, nous devons attaquer et nous devons prendre. Parce qu'ils rencontrent des gens qui préparent le terrain pour eux. Et le président Tshisekedi dit, parce que les négociations depuis San City aujourd'hui n'ont fait que anéantir les pays. Alors, pour de l'autre côté, le Moïse Katumbi, il a aussi sa politique, une politique qui ne parle pas du Rwanda. En tout cas, lorsque vous dites le Rwanda attaque la RDC, pour lui, il a difficile à le dire. Mais il a dit sur les antennes d'une télévision de l'autre côté, il a dit que ce n'est pas seulement en citant le nom peut-être de l'agresseur, bien le nom de Paul Kagame qu'on va finir la guerre, c'est d'agir que de citer les noms. Là, c'est la défense de Moïse Katumbi. Oui, il a dit, et bon, il faut le comprendre. Mais tu sais que lorsque vous êtes dans un groupe, vous avez un problème, vos enfants sont ensorcelés, vous connaissez les sorciers, dans le groupe, vous dites, c'est vous le sorcier, monsieur. Mais vous savez qu'il a difficile à vous regarder en face. C'est déjà une façon de l'affaiblir. Et les autres qui sont là, ils doivent se dire, est-ce que ce monsieur, c'est réellement un sorcier. Ils doivent prendre aussi leur garde, mais aussi le monsieur est affaibli sur le plan même diplomatique. Lorsque on vous cite comme agresseur, on vous cite dans tous les forums, ce n'est pas zéro. Et puis, ce n'est pas seulement cité, il y a eu des actions. Et donc, Moïse Katumbi, le président de la République ne cite pas Moïse Katumbi, ne cite pas le Rwanda, dans l'air. Il le dit et la population le dit. C'est un message vraiment de la population, un message du pouvoir. Mais pourquoi Moïse Katumbi, qui n'est pas encore président, qui est aussi population, qui est aussi dans la population congolaise, peut hésiter à dire ce que la population dit? Dire qu'il ne faut pas citer, il faut agir. Mais s'il faut citer et agir, ce n'est pas mauvais. Le président de la République cite et il fait tout pour agir. Mais peut-être que celui qui n'est pas au pouvoir, il veut montrer aux Congolais que lui agirait directement et trouverait des solutions magiques. Bon, C'est moi qui va finir la guerre, il va peut-être amener que. les F-16 et tout et Mais tout. écoute, le problème, ce n'est pas l'armement. Le problème, ce n'est même pas foncièrement le paiement des militaires. Le problème, ce sont les hommes que nous avons qui ont été injectés, les commandements que nous avons. Vraiment, si vous faites une enquête, vous allez trouver que
plus de 80% des militaires que nous avons, les officiers, ce sont des gens qui sont venus, grâce à ces négociations, nous imposer par les voisins. Donc ici, nous avons des officiers qui répondent chez l'ennemi. Alors, ces gens-là, même si vous leur donnez de grosses sommes pour mieux traiter les militaires, alors que leur mission est de détruire le pays, leur chef, le vrai chef, celui qui les a mis dans l'armée congolaise, il va leur dire, prenez cet argent, bouffez, faites une association de gangs. Le président, vous savez que le président ne peut pas facilement prendre 10, 20, 50 officiers d'un coup les congédier. Dans un pays comme le nôtre, qui est la démocratie naissante, dans un pays où il a acquis difficilement le pouvoir, dans un pays où il prépare les élections, s'il prend, il doit y aller. Donc il doit être un peu prudent. Sinon, il risque de quitter un piège pour tomber dans un autre piège. Et donc, dire que dans 6 mois, on peut terminer cette guerre, la terminer réellement, si on n'est pas dans cette guerre, parce que si aujourd'hui Kagame veut, la guerre ne peut pas prendre 6 mois. Et il peut dire, mes petits, quittez, j'ai déjà un compromis. Mais si aussi on est de cette école, si on est du même camp que Kagame, vous accusez Moïse Katumbi d'être du même camp Paul Kagame. Non, je ne le dis pas, mais si on est de ce camp, on est à mesure de dire, mon cher Kagame, mon frère, alors, comme nous avons déjà eu ce que nous voudrions avoir, alors nous demandons à nos petits de quitter. Voilà, parce que nous allons entrer directement, parce que nous parlons déjà de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Le départ aujourd'hui de la force régionale de l'EAC, c'est un vrai départ ou soit il y a encore des mascarades, ou soit on est en train de montrer ce départ, mais en dessous, il y a encore des dessous des cartes, Emmanuel Mouzi. Merci beaucoup. Je voudrais vous rappeler que j'avais saisi, c'est au mois de mai que j'avais saisi le président d'exercice de l'East African Community, l'EAC, le président burundais Evariste Ndayishimiye. Je l'avais saisi en lui expliquant la situation sur le terrain par rapport aux forces de l'EAC, par rapport à la complicité, aux faits avérés de complicité avec les M23, les RDF. J'avais tout expliqué et j'avais demandé que cette force quitte la RDC. C'est au mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Maintenant, ils sont en train de quitter. Mais je vous rappelle que lorsque les militaires ougandais entraient comme EAC, les militaires ougandais qui étaient du côté du M23 sortaient aussi. Donc, il y avait deux lignes croisées. Les uns qui entraient comme EAC, les autres qui sortaient comme M23. Donc, l'Ouganda est à côté du M23. L'Ouganda se bat, donc l'UPDF se bat contre le FARDC au nom du M23. Mais aussi longtemps qu'il y a l'opération conjointe entre l'armée ougandaise et les FARDC, comment est-ce que l'Ouganda peut-il jouer ses détours pour être du côté de M23? Demandez aussi comment l'EAC qui est venu comme partenaire de la RDC peut être acquisé par tout le monde qu'il travaille pour le M23. Demandez pourquoi le président avait l'assurance que le UPDF qui viendrait comme EAC passerait, non, mais les Kenyans et les Ougandais passeraient par Bunagana pour déboulonner le M23, mais ils ne sont pas entrés par là. Et lorsqu'ils sont venus, ils disent, nous sommes là pour faciliter le dialogue entre le gouvernement et le M23. Et donc, ça signifie que nous avons en face de nous des partenaires doubles. Et les Congolais, nous irons en les découvrant petit à petit. Et le monde aujourd'hui les découvre. Je crois que c'est une honte pour tous ces pays, le Kenya, l'Ouganda, le Sud-Soudan. C'est une honte mondiale que vous alliez pour une mission et que dans quelques jours, toute la population et toutes les autorités demandent que vous puissiez quitter parce que vous êtes complice. C'est une honte sur le plan diplomatique. C'est très grave. Alors, dire qu'ils sont partis,
Oui, non. Je vous informe que les Kenyans, les Ougandais, les Kenyans qui sont partis, ont commencé à quitter hier. Il y a un mouvement remarqué, un mouvement. Donc, ils sont en train de faire la remise et reprise avec le M23. Et donc, ils ne partent pas pour partir, mais ils se disent, nous devons tout faire comme on nous chasse. Nous devons maintenant doubler les efforts pour mettre la République démocratique du Congo à genoux. Et donc, c'est un moment très difficile pour la RDC, un moment de grande vigilance. Et justement, ces militaires kényans ont commencé à quitter hier. Et aujourd'hui, à 5 heures, les soi-disant M23 ont lancé une attaque. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a la guerre qui fait rage, je vous le disais, dans le territoire de Masisi. Et donc, nous appelons encore une fois le pouvoir à doubler des vigilances. Mais la vigilance, ça signifie quoi? Ça signifie nettoyer d'abord le commandement. Parce que il n'y a pas de guerre ici. Le Rwanda ne peut pas nous faire peur. Nous avons des militaires capables de se battre, les troupes. Nous avons des jeunes engagés. Nous avons l'armement qu'il faut. Mais nous manquons de commandants sérieux. Je vous ai dit la fois passée que, ici à Kinshasa, des généraux sont en train de se battre pour qu'ils soient nommés au nord Kivu. Imaginez l'ordonnance qui institue l'état de siège. Dit que le gouverneur est le chef des opérations militaires. Mais l'état-major général des FARDC viole l'ordonnance et nomme à côté du gouverneur militaire celui qu'ils appellent un coordonnateur des opérations. Donc, Ça, ça c'est une c'est violation. une violation, c'est en fait du sabotage. Du sabotage. Parce que celui qui a été nommé le général Fall Sikabou, il est le commandant force terrestre de la RDC. Mais ça signifie que même à son poste normal, il a le droit de regard sur les opérations, mais sans être au nord qu'il vous nécessairement en train de dire qu'il a un poste de coordonnateur. Mais tous voudraient être là, pas nécessairement pour aider la RDC. Parce que je vous disais aussi la fois passée, lorsque vous êtes un commandant force terrestre, vous êtes un commandant de l'état-major général, et que vous êtes là un mois, une année, 2 ans, vous n'avez gagné aucune localité. Soit vous êtes complice, soit vous êtes incompétent. Et donc, le chef de l'État a du pain sur la planche. Cette guerre, je l'ai dit, nous avons deux guerres. Nous avons la guerre politique et la guerre militaire, et toutes ces deux guerres visent la même chose. Ça vise quoi? C'est rassurer que le président Tshisekedi est mis de côté. Parce qu'aujourd'hui, comme nous allons aux élections, on se dit, la seule façon de fragiliser Tshisekedi dans l'opinion, c'est renforcer et prendre plusieurs localités, et les Congolais vont se dire, ce président, il ne fait rien. Nous devons donc. Et à côté, ils ont un front politique qui disent, OK, nous le remplaçons maintenant par qui? Qui va nous faire? Parce que je vous dis, la RDC, c'est un gros morceau. Ce gros morceau est envié par les voisins et par les autres grandes puissances. Et pour arriver à toucher ce gros morceau, il faut avoir des sous-traitants au Congo. Des sous-traitants au Congo, ils sont nombreux et ils ont été placés à travers différentes négociations. Charles City, des affairistes placés dans l'armée, dans la politique. La conférence de Goma, même chose. Les accords de 23 mars, même chose, des affairistes placés dans l'armée, et ces affairistes, ils agissent au nom et pour le compte de leur boss. Mais l'objectif, c'est s'assurer que c'est eux qui gèrent la RDC. Lorsqu'il y a un nationaliste qui voudrait prendre la RDC en main, ils doivent se lever pour l'empêcher parce qu'ils risquent de louper l'objectif. Et donc, la guerre, aujourd'hui au nord Kivu, la souffrance est atroce. Les camps de déplacés que les politiciens utilisent pour pouvoir montrer à la population que le chef ne fait rien, la souffrance est vraiment atroce. Et il faut l'augmenter
parce que c'est un élément de campagne pour ceux qui veulent achever politiquement le chef de l'État. Voilà, je signale que vous êtes élu des Rutshuru, vous êtes député et provincial élu de Rutshuru, malgré cet état de siège vous a fragilisé. Aujourd'hui, quand vous regardez la politique, vous regardez la scène politique parce que nous allons chiter par là, vous regardez la scène politique aujourd'hui avec les élections, votre circonscription ne va pas participer aux élections de ce 20 décembre 2023, c'est déjà un grand regret pour vous. Mais quand vous regardez aujourd'hui, est-ce Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est parti en ticket gagnant pour gagner ces élections du 20 décembre 2023? Bon, moi je crois que tous les Congolais sérieux, consciencieux, ils doivent être derrière le président Tshisekedi et je suis convaincu qu'il va gagner les élections. Je le dis pourquoi. Ceux qui veulent remplacer le président Tshisekedi, ils l'accusent de ne pas avoir de solution rapide au problème. Mais vous le savez, la RDC a été enfoncée sérieusement à telle enseigne que bon, ils continuent à être enfoncés. Ceux qui l'ont enfoncé, ils ne croisent pas les bras. Ils continuent à travailler pour l'enfoncer davantage. Alors, lorsque vous voulez mettre la RDC au moins en surface, ceux qui enfoncent ne vont pas se taire. Non, ils doivent vous empêcher. Ils doivent dire, laissez que la RDC continue à s'enfoncer. Alors, beaucoup de gens pensent que le président Tshisekedi n'a pas de bilan et que donc il a complètement échoué et en conséquence il doit quitter. Mais moi je crois que bien sûr beaucoup reste à faire. Mais le président Tshisekedi a sérieusement travaillé à telle enseigne que tout Congolais consciencieux doit l'appuyer. D'abord un. Vous savez que pour moi, je ne considère pas qu'il a eu 5 ans de mandat. Vous savez que 2 années se sont épuisées dans les chicanes entre le FCC Cash. Mais qu'à cela ne tienne, d'abord, il a remplacé un président qui avait été élu en 2006, mais qui n'a pas su organiser les élections dans les différents délais. Constitutionnel, vous le savez. C'est comme aujourd'hui, les opposants accusent Félix Antoine Tshisekedi de ne pas avoir la volonté, cette volonté-là d'organiser les élections du 20 décembre. Ils supposent déjà un probable report, mon ami. Bon, ils veulent peut-être un report parce qu'ils ont toujours demandé le dialogue, parce qu'ils pensent que c'est par le dialogue qu'ils peuvent arriver à intégrer le M23, parce que le M23 demande aussi le dialogue. Enfin, vous savez que c'est une demande de l'opposition. Et du M23, du Rwanda, de la France, des États-Unis. Donc c'est une coalition que j'appelle la coalition mafieuse qui souhaite avoir un dialogue. Mais le président Tshisekedi se bat pour que les élections aient lieu dans les délais. Alors que le président Kabila, les députés provinciaux et les sénateurs ont fait 12 ans. Le dernier mandat de Kabila, il a fait, je crois, 7 ans. Mais le président Tshisekedi est là, il se bat, il se dit... Nous devons aller aux élections parce que nous devons avoir des mandataires désignés par la population. C'est une grande réalisation, peut-être que les gens ne voient pas. Et les gens négligent la gratuité. La gratuité, c'est constitutionnel, malgré qu'elle était dans la Constitution depuis 2006. Mais le président s'est dit, nous devons arriver à soulager un peu la misère de la population. Lorsque vous avez 3, 4, 5 enfants qui devaient payer 100 $, 200 $ le mois, mais que vous avez une gratuité couverte tant soit peu par le gouvernement, c'est quand même un soulagement et tout ne peut pas venir d'un coup. Et peut-être les gens disent la qualité de l'enseignement n'est pas encore garantie. Mais tout ne peut pas se faire en un jour. Et donc, le programme des 145 territoires, c'est vraiment quelque chose bon, dans les territoires où cela se fait, parce que dans mon territoire, on ne venait que de remblayer certains terrains pour commencer les écoles. Et la guerre a éclaté. Et donc, pour moi, je crois que le président Tshisekedi a un second mandat. Il aura, et la population, je crois qu'il est réfléchi. Lorsqu'elle voit une convergence du message de tout cela
de tout cela qui nous combattent depuis Afdel jusqu'à aujourd'hui. Les conversations de messages, c'est dire Tshisekedi doit quitter. Et donc, les Congolais doivent se dire, ah, comme les ennemis de la République veulent que Tshisekedi quitte, ça signifie que c'est le président qu'il nous faut, nous. Voilà, merci alors, beaucoup. Merci beaucoup, notre élu Emmanuel Mouzi, l'élu de Rutshuru. Déjà, quel message lancerez-vous à la population qui vous suit à ce net moment? Bon, vous avez d'abord, au départ, vous avez annoncé que nous parlerions de du ralliement de Déli Sessanga à la candidature de Moïse Katumbi. Bon, je crois qu'il est libre, c'est la démocratie. Mais le ralliement de Déli Sessanga à la candidature de Moïse Katumbi ne fait que fragiliser Katumbi. Pourquoi? Parce que, vous savez, Déli Sessanga, c'est un membre fondateur du RCD à côté du grand frère de Moïse Katumbi, M. Katebe Katoto. Ils sont deux membres fondateurs du RCD. Le RCD crée un mouvement créé par le Rwanda à l'instar du M23. Et donc, ce qui se ressemble, peut-être s'assemble. Et moi, je crois que Déli Sessanga, qui, dans ses interventions à l'hémicycle, s'est démarqué comme un patriote, il crée des suspicions qu'il n'a jamais rompues et qu'il veut donc suivre la voie souhaitée par les agresseurs. En fait, vous savez, le RCD, c'est parmi...